sommes en février 1848. Regarde, regarde! Envoyez-moi la réplique, là! Je suis Edmond Dantès. Faut fournir, c'est à vous de fournir. Moi, je ne peux pas faire plus. Je vois bien. Il est peut-être temps de nous séparer de Mazarin, Alexandre. Ça fait 30 feuillets qu'il expire. C'est très grave, monsieur Dumas. Ils sont allés saccager les Tuileries. Et tenez-vous bien, ils ont brûlé le trône. Hein? Vous ne sentez pas le souffle de la révolution, la vraie? Celle qui renverse tout sur son passage? Personne n'est à l'abri, personne! Je suis Alexandre Dumas! Mais peu importe qui vous êtes! Je vous expose à quoi? Vous ne signez pas! C'est tout comme Alexandre, tout le monde sait très bien que c'est moi qui tiens la plume. Oui, et tout le monde s'en fout. Vous oubliez que vous êtes à mon service, là. Vous rappliquez quand je vous sonne? Dites donc, je suis écrivain! Votre costume d'associé, il est trop grand pour vous! L'auteur, le vrai Dumas, c'est moi! Non! Le vrai Dumas, c'est moi, Auguste Maquet! J'ai entre les mains l'imposture littéraire du siècle et la déchéance de son imposteur. Vous ne savez même pas ce que c'est que faire la guerre contre moi. Voilà, c'est Alexandre, je ne suis pas votre chien. Vous n'avez pas parlé sur son nom. Donnez-le-moi, sinon je vous démolis. Je suis un chêne, Maquet. Vous entendez? Un chêne. Je fais de l'ombre à tout le monde.